Eh bien, salut tout le monde, sur la 40226. Aujourd'hui, je vous retrouve sur Euro Truck Simulator 2. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai le volant que je viens de m'acheter, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Et on est tout de suite parti. Donc, livraison un peu spéciale avec mon Volvo FH Sleeper, couleur belge. avec une mission un peu spéciale qui est des munitions. Donc on part de Rotterdam à Aberdeen. Et la récompense est de 25 000 euros. Donc avec ça on pourra peut-être s'acheter un nouveau camion si les banquiers ne viennent pas nous retirer de l'argent sur notre compte. Donc voilà, on est tout de suite parti. Comme vous pouvez le voir, j'ai le volant. Il y a une petite musique légère, je sais pas si je vais peut-être la baisser encore un peu. Comme ça, je suis sûr de pas avoir de problème de droit d'auteur. Du moins, j'espère. On est parti. Putain, ce rétro là, il me bloque un peu la vue, mais si pas. Donc, je suis déjà accroché, hein. C'est. Hop, on est parti. J'espère que cette vidéo vous plaira pour un transport un peu spécial. Donc on va en Angleterre, donc on part de Rotterdam, des Pays-Bas, et on va en Angleterre. Donc ce sera non, la deuxième vidéo. Enfin, vidéo en elle-même, non. Je vous parle de vive voix comme ça. Un truc un peu plus monté. Hop, on y va. Désolé pour le tac 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 des clignotants, vous pouvez le voir. Ouais. Donc c'est la première fois sur ETS que je vous parle comme ça. Mais parce que j'avais déjà mis une rediffusion de live au début, que je faisais des lives. Oh là, 50 avec le régulateur. Au début que je faisais des lives. Et en vous parlant de ça, c'est bientôt l'anniversaire de la chaîne. Et oui, ça fera 3 ans. Je ferai une vidéo spéciale, hein, comme d'habitude. Putain, c'est lent à 50, bordel. Les feux dans le tunnel. Je ferai une vidéo spéciale, hein, pour les 3 ans, et ainsi que sûrement un live spécial. Je regarde, je verrai, je verra, je verra, je verra, oui, je verrai. Je verrai sûrement encore, on n'y est pas encore, c'est le 27 et on est le 19. Désolé, désolé, j'ai rien fait. J'étais pas concentré, je regardais le calendrier. Donc on est le, non, aujourd'hui on est le 18 et demain le 19. Hop, on accélère un coup. Donc voilà, j'espère que les petites musiques vont vous plaire. Là c'est Criminal, ce qui franchement est génial, cette musique. Et après ce sera là toute la playlist, enfin tout l'album, enfin pas tout, mais toutes les musiques de l'album de Watski Cobalt Castle, avec un magnifique accent. Donc justement on va en Angleterre. Et donc voilà. À 80 s'il te plaît, pas 77, merci. Donc je ferai aussi une vidéo débrief à mon avis. Putain, 24 heures de route, j'ai jamais fait ça. Mais la plupart c'est en ferry. Donc voilà. On va descendre à 80, on va mettre le régulateur. Voilà, 82, ça va, ça passe. Donc voilà. Je ferai sûrement une. Excusez-moi. La fatigue. Donc je ferai sûrement une vidéo récapitulative de l'année. Donc avec toutes les vidéos que j'ai faites et tout. J'ai quand même bien taffé cette année par rapport à. Ouais, c'est pas énorme.
Et par rapport aux autres années, j'avais ma petite voix de Kiko. Ça change. On va partir en couille. Non, c'est bon. Ouf. Je sais pas si je vais faire durer toute la route parce que ça va être long. Surtout que j'ai pas mis le chrono, je vais essayer de le mettre. C'est pas bien le téléphone en roulant. Ah voilà, on commence. Ok, 11% d'un coup, c'est bon. Le téléphone, tu restes éteint. Pire, je suis con, voilà. Ah là là, je donne des dégâts tout seul à mon camion. En fait, à chaque coup, je le fais. Je paye. C'est toujours pareil. Toujours dans la même galère. Horloge. Bien sûr, Cheat Engine ne marche pas sur mon PC, ce qui est normal. Non, pas Minuteur, s'il te plaît. Voilà, on démarre. J'ai mis le chrono, j'ai juste baissé la luminosité, bordel. Pour que ça use moins de batterie. Et on est parti. Hop là. C'est parti. J'ai pas dit qu'on avait toujours bien roulé. Mais donc voilà. Je vous ai pas montré l'itinéraire qu'on parcourait. En même temps, petite sauvegarde. Ouf. Voilà. Là, on va prendre le ferry. À Amsterdam. Désolé. J'ai pas. Donc là, en fait, on prend le ferry à Amsterdam. On vient de Rotterdam. On va parcourir ça de la Manche et on va aller là à des endroits que j'ai pas encore parcouru. Donc voilà, ça va faire débloquer un peu de route. Et en Angleterre, comme vous pouvez le voir, j'y ai pas été beaucoup par rapport à l'Allemagne et tout. J'y ai pas beaucoup roulé, ça va faire débloquer des pourcentages de découverte de la map. Ça c'est cool, ça me fait plaisir. Et de le faire avec vous, c'est encore mieux. Hop, on va se mettre sur la bonne bande de préférence. Passe ou pas, bien sûr il passe au moment où je m'appuie sur l'accélérateur. On a un peu mal géré le tournant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. 50, très bien, on va être comme des vieux. Donc vous me voyez en facecam, fait exprès comme ça, vous avez vu, j'avais le volant et tout, c'est cool, c'est plaisant. Si pas, vous allez entendre les palettes comme ça et vous allez vous demander ce que c'est et tout. Tandis que là, vous le voyez, c'est mieux. Donc, voilà. Et puis moi, ça me fait plaisir. Hop. On passe ici, toujours à 50. C'est chiant. À 50. J'ai le verre de coca, ne vous inquiétez pas. L'habituel, il est là. Fallait tourner. C'est pas censé être accompagné au fait les camions comme ça qui transportent des munitions. Je sais pas, je suis pas un professionnel dans le milieu. Mais vous me le direz. Si je dis pas de la merde, mais je crois que ça va être accompagné hein, par les flics ou des trucs comme ça, on sait jamais. Même des munes quoi. Hop là. Et quand même, 16h30 de voyage. Truc, au final ça va pas être long en fait. C'est le
Le trajet en ferry qui est très long. Bon, on va faire en plus un de nuit. Faut pas se tromper, on roule à gauche. Voilà. On ne se trompe pas de bande, s'il vous plaît. Et c'est en miles. Mais bon, on a la conversion là-bas dans le radar. Dans le GPS plutôt. Qui nous aide. Je trouve ça bien qu'ils l'ont intégré dans les nouvelles versions du jeu. Voilà. J'avais quoi d'autre à vous parler? Oui. Semaine précédente, il n'y a pas eu de vidéo. Ça fait 2 semaines sans vidéo, ce qui est tout à fait normal. Ce n'était pas un oubli. Oh putain, j'aime pas les ronds-points. Ce n'était pas un oubli de ma part, c'était bel et bien voulu. Tout simplement parce que c'était les examens. Et que, donc voilà. On va se mettre 50. On va pas se prendre une amende parce qu'on roule à 50 à 2 km/h au-dessus de. 1 km/h, qu'on est à 49 de la limite. Donc voilà. Oh putain, et c'est quoi tous ces ronds-points? Donc c'était les examens qui se sont bien passés pour moi. J'ai pas d'examen de passage. J'ai pas eu non plus de très beaux résultats. C'était pas le top du top. Mais bon. Voilà. Je m'en sors plutôt bien. Donc, après le reste, vous savez quoi? Je m'en fous un petit peu. Donc voilà. Donc il nous reste 6 heures de route, ce qui va être un trajet plutôt normal. On va rouler 75 s'il te plaît. Merci, 74 c'est le même. 74 je te dis pas. Ouais, 74 c'est le même. Dreaming after all these. Je sais pas comment ça a chanté parce que c'est pas, je vais quand même me taper des droits d'auteur. Direction Edinburgh, les amis. C'est parti. Et ne vous inquiétez pas, pour le manque de vidéos, il y en aura. Il y en aura pour cette année 2015. Déjà, il y a 4-5 vidéos. 4-5 vidéos de prévu. Donc pour l'année prochaine, donc il y aura déjà la spéciale Noël, la spéciale anniversaire, les rediffs si j'en fais du, parce que le XP il bug un peu pour faire enregistrer les rediffs. Donc je sais pas comment je vais faire. Et donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi. Ah oui, j'ai reçu du nouveau matériel à part le volant. Donc ça fera une vidéo en plus. Donc j'ai le volant. Donc voilà, ça vous le voyez. J'ai aussi reçu un nouveau clavier. Il n'y a personne qui arrive, non? C'est parfait. J'ai aussi reçu un nouveau clavier, donc qui est le Madcats. Le dernier Madcats qui est sorti, donc avec rétroéclairage et tout. Qui est franchement qui est génial. Donc je vous ferai une review. Sur la chaîne et désolé. C'est ça quand on doit se lever pour aller chercher les résultats à l'école, parce qu'on va se coucher tard et on est un peu à 90 au lieu de 72 et que donc voilà. J'ai aussi reçu une nouvelle souris qui est la Madcats Rad TE ainsi que le tapis qui va avec. Donc je l'ai eu en réduction parce que je l'ai eu gratuit le tapis avec la souris et tout. Donc voilà, ça fait plaisir. Durant cette. Ouais, non, je vais pas commencer à dire durant cette année 2013 parce que ça va partir en vidéo fin d'année. En vidéo récap de la chaîne et tout. Hop, on va se mettre à 73.
Donc voilà. Il y aura aussi des vidéos sur farming qui vont commencer à arriver. Il y a un ami qui va voir le jeu, donc je vais sûrement faire une vidéo, peut-être une carrière suivie dessus. D'ailleurs, petit coucou à DR qui a bien voulu que je passe dans sa série sur Farming Simulator 15. Donc je vous mettrai sa chaîne dans la description. Petit coucou à toi ADR si tu regardes cette vidéo, et encore merci. Donc c'est un plaisir, ce sera encore un plaisir de faire des vidéos, des lives avec toi, parce que voilà, t'es génial, hein, t'es super drôle avec les conneries qu'on sort, hein. Donc voilà. Et puis moi je bois, mais c'est pas, je vais crever, hein. Déshydratation sur ma chaise pour ceux qui me connaissent. Chaise qu'il va falloir que je change. En fait, faut que je change tout mon matériel, faut même que je change de pièce. Donc c'est un peu la merde, hein. On va essayer que pour l'année 2015 on ait un nouvel endroit pour faire des vidéos et des streams. Voilà. Hop. Avant les tournants, hein. Donc oui, en parlant de stream, rentis pas, si, il me semblait bien. Ça c'est l'accélérateur, ouais. Donc en vous parlant de stream, faut que je vous dise que je me suis inscrit sur Top Streamer. Donc Top Streamer, on va peut-être un peu vite, on va descendre. Pas de clignot. Top Streamer, c'est quoi en fait? C'est tout simplement un truc pour voter pour votre streamer préféré, enfin pour voter quoi, pour des streamers. Et donc je me suis inscrit dessus, donc d'ailleurs n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'est en dessous dans la description, comme tout ce qui se passe, tous les liens, donc le Facebook, le Twitter et tout. Donc tout est en dessous dans la description. Et je serais ravi que ça me ferait super plaisir que vous alliez voir ce qui se passe en dessous dans la description, pour vous pouvoir rester au courant de ce qui se passe, donc sur Facebook, sur Twitter et tout, pour voir ce que je fais un petit peu avec Snapchat, Instagram, les photos, etc. Donc voilà. Ah, c'est Curious pour la musique. Donc voilà. J'essayerai de vous mettre en lien là. Là je suis avec les musiques du jeu, hein, mais j'essayerai de vous mettre la playlist Spotify de Watsky pour vous pouvoir la retrouver plus facilement. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous, cette fin d'année se passe bien pour l'instant. Si vous avez des examens comme moi, que ça s'est bien passé. Et donc voilà, putain, ça fait deux coups que je dis. J'ai pas fait attention. Voilà, on va se caler à 69, comme ça on est sûr. bien que cette note. Non, j'allais dire un truc, mais non. Parce que c'est pas vrai. J'allais dire ça n'a encore tué personne de rouler quelques kilomètres heure au-dessus de la vitesse. Mais non, c'est pas vrai. Bien que là on est dans un jeu, donc au pire, fuck it. Donc voilà. Donc j'ai aussi une. Continuons dans les streams. J'ai aussi une nouvelle page. De stream, c'est sur Gamers Connection. Je stream dessus maintenant en attendant d'être connu et tout, un peu plus pour la YOLO stream. Si pas, on faisait des lives, on était tout seul dessus. Enfin, avec trois personnes, c'est pas très intéressant. Donc, comme ça, on se fait un peu plus connaître et tout. Du coup, j'ai rencontré des gens sympas dessus, super sympa. Petite dédicace à toi, Wheezy, ta chaîne sera dans la description aussi en dessous. Donc voilà. Ton Gamers Connection aussi. Donc le mien aussi sera en dessous dans la description, tout simplement. Je n'ai rien fait. Tout simplement à la place du YOLO. Enfin non, je laisserai YOLO.
Ouais, je mettrai page de stream tout simplement. Dans la description, que je me rappelle, tout ce que je mets Eurostream, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, je mets tout en fait, tous les liens sur lesquels je suis, et je suis sur beaucoup de trucs en ce moment. Donc voilà, et si vous avez des commentaires, des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à me les poser si vous avez des questions concernant ma chaîne, faire une mini FAQ en fait. N'hésitez pas de me les mettre dans les commentaires. Ça m'intéresse et je les dirai en vidéo comme autre chose, 105 km/h comme une mini FAQ en fait en vidéo. Donc voilà. En commentaire ou en message privé sur Facebook, sur Twitter, etc. Donc voilà. Putain. On va prendre des trucs pour se booster un peu parce que ça va pas le faire sinon. Hop, on sort pas maintenant. Oh, il nous reste 3 heures, ça va, c'est faisable. On va dire qu'on a mis le clignotant, c'est le volant. Là, le volant, il est mis quasi au moins bien pour qu'il soit coordonné par rapport au truc du jeu. Pour qu'il soit coordonné à peu près au truc du jeu, sauf au moment où tu fais des gros tours. Donc là, le volant du jeu, il fait plus de tours que le mien. Avec cette vitesse, putain, il me dit 105, je suis à 80. Seul putain d'endroit qui était à 80, fallait que je me chope. Fasse pas attention. On va faire une sauvegarde. Vous savez quoi? Parce que moi et mon jeu foireux là, il est beau mon camion. Donc d'ailleurs, donc comme on était en train de parler des réseaux sociaux d'ailleurs, n'hésitez pas, réseaux sociaux etc. N'hésitez pas à aller me follow, aimer ma page et tout. Si je fais ça bouge. En fait, c'est pour ça que je fais des accidents. Tout est en dessous dans la description, donc c'est super simple, vous cliquez sur le lien et vous y êtes. N'hésitez pas à aller voir la chaîne d'ADR et que je mettrai dans la description. Je mettrai même la vidéo dans laquelle je suis pour vous si vous êtes curieux. D'ailleurs, n'allez pas regarder que cette vidéo là, hein. Allez regarder aussi ces autres qui sont super intéressantes. Donc voilà. Si vous aimez farming et la simulation, Allez vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et Wheezy pour faire une petite présentation de chaîne. C'est pas le moment de caler. Petite présentation de chaîne, vite fait, c'est plus du Call of Duty et tout. Mais en tout cas, c'est un gars super sympa et tout, et qui est à l'écoute de sa communauté, tout comme ADR. Donc voilà, ça fait plaisir de rencontrer des gars ainsi. Donc voilà. Je sais pas si on doit se rebattre, non. Non, on doit pas se rebattre. Ça va. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait super plaisir. On est à 122, au 150, je fais une vidéo spéciale. Setup, voilà. C'est dit. 150, je fais une vidéo spéciale setup. C'est pour ça que j'ai rien fait aux vidéos. J'ai pas fait de vidéo spéciale sans abonnés. Parce que j'avais pas de sujet, parce que setup ça aurait pas été possible, j'avais rien en fait. À part peut-être l'écran, la tour, la webcam, j'avais rien, la souris peut-être. Je sais pas, j'avais le casque. J'avais que dalle, tandis que maintenant j'ai le clavier, j'ai le volant et tout en plus. Donc ça rajoute un peu plus de matériel en fait. Donc voilà, c'est mieux. Ça fait plus de contenu. Et vu que ça fait plus de contenu, ce sera plus intéressant pour vous d'avoir une vidéo de 10 minutes qu'une vidéo de 5 minutes en fait. Donc les unboxings que j'avais commencé, que j'avais fait une playlist là pour l'unboxing du collector de Farming Simulator, qui est là sur mon bureau d'ailleurs, le coffret. Je continuerai à en faire quand j'en aurai, donc là j'ai pas pensé à en faire. Pas pensé à en faire pour. On va descendre à 80, c'est parfait.
J'ai pas pensé en faire un pour le volant. Enfin, pour le volant, il y a quasi rien d'artisan en fait. Pour le clavier et pour la souris. Le tablier, ça servait un peu à rien, peut-être en même temps de la souris. Je sais pas si je ferai un. Ouais, je ferai peut-être ça. un unboxing. Que j'ai déjà déballé le truc, que j'ai cassé le cul à remettre dans l'emballage. Ça se peut. Pour vous proposer du contenu un petit peu sur les vidéos. Pour pouvoir remplir. Excès de vitesse. Et pour pouvoir remplir un peu la playlist. Mais je suis à 90. J'étais à 80 le pire. Et vu que c'est en descente. Je vais me choper tous les radars d'Angleterre. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas surtout à vous abonner. Comme ça ce sera. Au 150 je fais la vidéo spéciale abonnés. Et à partir des spéciales 150 abonnés. Avec mon setup. Donc voilà. Et de toute façon, la 100 abonnés, ça servait un peu à rien de la faire parce que je suis vite monté à 120 en fait. Là, ça stagne un peu. Je suis remonté à 122. Mais les 120, j'y étais vite monté. Donc je me suis dit, ça sert un peu à rien de directement faire la 100. Alors que ça, on est proche des 150. Donc autant faire les 150. Autant faire les 150 abonnés que voilà quoi. Il y a un peu plus de contenu déjà parce que sur mon bureau je trouvais pas l'intérêt de faire un. Allez avance Coco. De faire du setup alors que j'avais quasi rien en fait. C'est ça le truc un peu plus embêtant. Ça aurait un peu servi à rien. Ce sera sûrement la 1.0. Excusez-moi pour ces bâillements intempestifs. Ça doit être chiant pour vous. Pour moi aussi c'est chiant. Mais donc voilà. Et puis parler comme ça, ça aide pas. Ça aide pas, c'est pire en fait à cause de ça. Ah oh bah non, j'ai cru que j'allais arriver tout pile au 70. Donc voilà. Parce que des choses sur mon bureau en fait, j'en ai pas tellement en fait. Donc voilà. Je pourrais avoir plus de choses en fait. Bon, déjà je pourrais vous parler de tout ce que j'ai à l'intérieur de mon PC. Ouais j'ai un petit truc en tête de comment je pourrais faire en fait. Ouais, ça va être bien sympa, mais vivement les 150 abonnés. Et vous êtes de plus en plus nombreux, cela me fait de plus en plus plaisir. Bien que ça m'a toujours fait plaisir de vous satisfaire. Donc voilà. On arrive bientôt à la destination. On va avoir une vidéo d'une demi-heure. Non, 25 minutes pour l'instant. Mais le temps qu'on finisse ça, il nous reste 2 heures de route. On va avoir une petite vidéo d'une demi-heure. C'est parfait, le format que je voulais tout pile. Donc, avec l'intro et tout, c'est juste pour ça aussi. Ça aussi, il faut que je vous en parle. L'intro et tout, il y aura du nouveau. Mais pour les lives et tout, il y aura du nouveau. Point de vue interface, il y aura du nouveau. Ça va bientôt changer justement pour les 3 ans de la chaîne. Il faudrait peut-être changer un moment parce que voilà. Ça commence à se faire vieux. Et oui, j'ai peut-être beau avoir changé la musique. Ça se fait vieux. Voilà. Ça commence à se faire vieux tout ça. J'ai un léger rhume aussi, je sais pas si vous l'avez entendu. 72 toujours, ça sert à rien d'aller un peu plus vite, autant aller à 70, bien sûr, et pas se faire flasher. Hein. Putain, il y a du brouillard en plus. Donc le volant en fait je l'ai reçu hier.
tout vous dire, je l'ai reçu hier seulement. Et il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que je m'y habitue en fait. Je me suis assez vite y habitué. Donc la prise en main, ça a été au niveau des pédales en fait le plus chiant. Parce que les pédales, elles avancent, mais ça se fait vite. Hein. Il suffit de trouver un truc pour les coincer, vous. Et c'est bon, c'est bon. Donc j'utilise qu'un pied par contre pour changer, parce que si pas, si je mets un pied sur chaque pédale, le machin il penche comme ça, et donc ça va pas. Donc voilà, je mets un pied. De toute façon, il y a, vu qu'il y a que deux pédales, j'ai pas le truc de vitesse. De toute façon, ça m'intéressait pas trop. Je préfère comme ça. Je pouvais toujours mettre les vitesses là aux palettes. Hein. Normalement, c'est ça la fonction première des palettes. Mais je préfère mettre les clignots aux palettes, qui est beaucoup mieux, je trouve. Ouais, elle est cool cette petite route. Ah oui, juste la neige, c'est une map. Hein. C'est pas la map de base. C'est un mode. Ne faites pas la même connerie que moi. Si vous faites ça, faites une sauvegarde avant. Du coup là je suis niveau je sais plus combien, je sais plus remettre la map de base, parce qu'il me dit votre sauvegarde n'est pas compatible, il vous manque un truc. Et je sais pas si vous pouvez m'aider pour ça. Je sais pas, c'est pas grave, on jouera toute sa vie avec la carte de neige. Mais je l'avais mise parce que c'était un peu Noël et tout. Pour se mettre dans l'ambiance, puis pour un live que j'avais fait aussi. Pour l'ambiance justement. J'aurais dû mettre TSM, un truc comme ça à la place, une avec un peu plus de contenu que la map de base en fait, avec juste de la neige. Bon, du coup la pluie c'est de la neige, et il y a des brouillards un peu plus chiant encore que celui qu'on a eu tantôt, parce qu'on y voit encore plus que dalle, et au loin on y voit flouté. Je peux couper les phares maintenant, je peux juste mettre les phares de peau. Les phares d'opposition. On a un autre poids lourd qui nous suit derrière. Et donc nous on va amener un chargement de munitions. J'avais jamais vu en fait dans le jeu. Et c'est pour un prix plutôt intéressant en plus. Puis on n'aura pas roulé autant que ça en fait. Hein. On aura roulé une demi-heure, c'est pas énorme, non. J'ai envie de vous dire. Ça paraît long, quand tout en bas là, temps restant de route, il vous met 24 heures. Mais en fait, il n'en est rien. Si je regarde F6, temps restant, il me reste une journée en fait pour le livrer, donc j'aurais pu faire 10 pauses, enfin faut pas abuser, pas 10 pauses. J'aurais pu faire 2-3 pauses. Faut qu'on aille droit. J'aurais pu faire 2-3 pauses. Quoi, tranquille. C'était plus terminé la livraison. Attends. La marche arrière, c'est pas sur moi qu'il faut compter pour la faire. Hein? Pour ceux qui m'ont déjà vu en live, c'est pas la peine. Je ne m'en sors pas. C'est pas parce que j'ai un volant que je ne m'en sors mieux. Enfin, des fois, ça dépend en fait. Des fois, je m'en sors bien. Des fois. Donc pour pas me ridiculiser devant vous, je vais prendre le truc stationnement automatique directement. Et donc voilà. 9h25 arrive approximative. Donc voilà, putain, il est bien ce GPS, j'aimerais avoir le même dans ma voiture. Franchement, il est super bien. Eh oui, il y a une vidéo que je ferai peut-être unboxing. C'est une vidéo d'une réplique d'airsoft. Je vais commencer à acheter des répliques d'airsoft pour faire un peu une collection comme ça. Et donc voilà, c'est pas encore sûr. Si je m'en achète une, la première que je m'achète,
C'est un Glock 19, parce que j'adore les Glock 19, franchement, pour moi, c'est les meilleures armes de poing. On va commencer à se bagarrer dans les commentaires, hein. Mais pour moi, c'est peut-être une des meilleures armes de poing. Voilà. C'est ça. Je parle point de vue d'arme, hein, point de vue réplique. Et si passe, en plus, c'est toute nouvelle, là, les S, c'est les S19 et tout, vous savez, qui viennent de sortir. Donc voilà. Et vu qu'il y a un magasin près de chez moi de Airsoft. Ça fait plaisir. Donc voilà. On va peut-être aussi bientôt. Enfin, pas bientôt. Non, faut pas avoir trop grand. Mais il y aura aussi plus tard peut-être des vidéos de partie. Il faudrait déjà que je m'achète une GoPro et tout pour ça. Donc voilà. Il y a d'abord la chaise à changer, le bureau à changer. Mais pour ça, je dois refaire toute ma chambre, refaire le sol, changer la moquette pour tout barquer. Putain, j'en ai marre de ces. Tous les radars, je me les ai suis pris en fait. Concessionnaire Scania découvert, ça m'intéresse. Ça m'intéresse ça, les Scania. Je crois que c'est le prochain camion que je m'achèterai un Scania. J'hésite en fait entre un MAN, un DAF ou un Scania. Parce que le Volvo c'est bien, mais c'est une putain de pompe à essence. Ça fait que ça, bouffer de l'essence, bouffer de l'essence, bouffer de l'essence. Donc voilà. J'aurai prochainement peut-être un nouveau camion. Qui sait? Si la banque vient pas toujours. Ah, bonjour, je suis la banque. Je viens vous retirer vos 10 000 euros semestriels. Voilà. Elle fait souvent ça d'ailleurs la banque. Et donc voilà, on a fini notre livraison à 30 minutes, tout pile. On arrive dans la ville à 30 minutes. Donc voilà. J'aime pas aller au point. Donc voilà, je l'avais dit, vers les 30 minutes, on a l'arrivée, c'était parfait. Hop. Ah, y'a peut-être un moyen que je garde la remorque. En tout cas, vous foutrez pas de ma gueule. Hop. On va essayer de bien se positionner par rapport en face. Voilà. On va se remettre le rétro et c'est parti. Concentration maximale. On va faire par petits à-coups en fait. Ta gueule, l'aide automatique. J'y arrive pour une fois. On va pas parler trop vite. C'est pas mal tout ça. J'aurais pas dû dire que j'étais une brêle en fait. Progression succès, tout est possible donc, pour les cargaisons différentes. 5% de dégâts, ok, 5000 en moins. C'est pas grave, on est quasi niveau 18. Et donc voilà. Voilà, c'est là que la vidéo se termine. Tête de psychopathe. Donc voilà, c'est ici que la vidéo se termine. En tout cas, moi, j'espère que ça vous a plu. Je regarde que j'avais bien lancé l'enregistrement, parce que si pas, je l'aurais eu bien profond dans le cul d'avoir perdu 32 minutes pour rien. Donc voilà, mais non, ça me rassure. Par contre, on a quand même 17% de dégâts. On va aller réparer ça. On va aller réparer ça des suites. Ok, la souris était restée dedans, c'est un peu la merde ça. On va aller réparer ça de suite. Avant de vous laisser, comme ça, on arrivera à 35 minutes. Et ce sera un format plutôt acceptable et raisonnable pour vous. De regarder 35 minutes de vidéo. Qui n'est pas trop grand. J'ai remarqué ça pendant les minutes de live. Les minutes de live, oui. En Angleterre. Les rediffs de live...
D'ailleurs, je ne ferai plus ça, des vidéos de. Le prochain coup, je les couperai au montage. Il y avait un feu rouge. Fait que je tourne. Non, il est là-bas, le concessionnaire. Que pendant les trucs de live, en fait, les redips de live, je laissais une heure et demie et tout. Donc ça faisait beaucoup. Qui sont pas beaucoup abîmés, on a comme ça et ça pour économiser un peu. Donc voilà. The world, the tiny green screen. Donc voilà. Que j'ai remarqué que la plupart du temps on regardait pas toute la vidéo en entier. Ce que je vous comprends, parce que enfin, moi perso j'aime bien regarder des vidéos de long format. Mais faut bien plaire à tout le monde. Donc ça a été dans les améliorations de ma chaîne, dont ça va être dans les améliorations de ma chaîne. Que j'aborderai la fois prochaine lors de la vidéo spéciale 1 an. Qui sera après celle spéciale Noël. Parce que c'est le 27 et c'est le 25. Je me gare comme un pied parce que j'arrive pas à voir les lignes en fait. Tellement qu'elles sont fines. Donc voilà, on est garé comme une grosse brêle. Mais pire qu'une brêle, mon gars. Moi je m'en fous, car comme ça travers tout. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur Eurotruck, moi ça me ferait super plaisir. D'ailleurs, je crois que je vais en refaire. Je sais même pas, je crois, c'est sûr, quasi, je vais en refaire. Et maintenant que j'ai eu ce petit bijou là, ce petit volant qui m'est bien précieux, je vais en refaire. Juste l'installation qui est un peu foireuse, c'est pour ça qu'il faudra un nouveau bureau. Mais le nouveau bureau, je le mettrai dans ma chambre en haut quand elle sera refaite. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est en dessous, c'est gratuit. Ça fait plaisir, alors, en tout cas, pour arriver aux 150, pour vous voir mon setup. Donc voilà. Moi, je vous retrouve dans la vidéo review de clavier, la vidéo review de la souris et du tapis. Dans la vidéo review du volant. La vidéo review du volant, je la ferai quand le volant, il aura une semaine. Là, les trucs, ils auront une semaine demain. Ouais, ils auront une semaine demain. Voilà, clavier et souris. Bon, ça je pourrais commencer à faire une review. J'ai bien eu le temps de les tester. Et le volant pas encore assez. Bon, pour l'instant il me déçoit pas, mais ça fait que depuis hier. Quoique depuis hier j'ai bien joué avec. Je peux sortir la tête avec ça. J'ai bien joué avec quand même. Déjà. Donc voilà, on va même arriver sur du 40 minutes. Donc je vais un peu me taire. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, m'ajouter sur Snapchat. Donc voilà. Faut aussi m'ajouter sur Steam en m'envoyant un petit message. Coucou, c'est un abonné. Comme ça, je suis sûr. Et je vous ajouterai. Donc le PSN, le Xbox Live, ça sert même plus à rien. Je vous le donne, je joue plus dessus. Xbox, et là je vous montrerai lors de la vidéo setup aux 150 abonnés. Tout est là, mais je m'en sers plus. Donc n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire avec une question pertinente point de vue de la chaîne pour moi, à faire une mini FAQ dans la vidéo spéciale 1 an aussi. Pour avoir un peu plus de contenu et un peu plus interactif par rapport à avec vous plutôt. Et donc voilà, c'était Aurélien 48226 et moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde, bye!